matin. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo de l'année 2018. Donc je vous souhaite à tous une très 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 bonne année. Très bonne année à tout le monde, bonne santé, les tralali, les tralala, voilà quoi. Donc avant de commencer cette petite vidéo, j'ai une petite chose à vous annoncer. Pour l'année 2018, je vais faire un nouveau rythme de vidéo. Enfin du moins je vais essayer, pour le mois de janvier normalement c'est sûr, après pour le mois de février et tout. C'est presque sûr, mais si je peux m'y tenir, ça serait bien. Et du coup, le truc, ça serait qu'il y aurait 3 vidéos par semaine. Normalement, j'en sortais à peu près une par semaine, souvent c'était le vendredi. Et du coup, pour cette année, je me suis dit, faut que j'en sorte au moins 3 par semaine, ça peut être cool et tout. Donc le premier jour, ça sera le mercredi. Donc tous les mercredis, dans la journée, il y aura une vidéo, donc je sais pas si ça va être midi, 1h, 2h... Enfin, je sais pas encore vraiment à quelle heure je vais poster mes vidéos le mercredi, mais voilà. Ensuite, il y aura le vendredi, comme d'habitude, ça change pas. Tous les vendredis à 18h, il y aura une vidéo. Et le dernier jour, ça sera le dimanche à midi. Donc tous les dimanches à midi, il y aura une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vous ai annoncé cette petite nouvelle, j'espère qu'elle vous plaira. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour commencer l'année et je vais tester ce kit de slime. J'ai déjà fait 3 ou 4 vidéos je crois où je teste des kits de slime et c'est des vidéos mais que vous aimez mais tellement. Et à chaque fois vous me demandez de tester un nouveau kit de slime. Et du coup bah j'ai reçu ce kit de slime à Noël et dans la vidéo de mes cadeaux de Noël, vous m'avez dit que vous voulez une vidéo dessus. Donc bah je vais en faire une vidéo tout simplement aujourd'hui. Donc voilà, il est vraiment tout simple comme ça, donc c'est la chimie du slime. Et on va voir ce qu'il y a dedans. On va voir s'il est bien ou pas. Donc n'hésitez pas à mettre un max de j'aime à cette vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous mets au défi d'atteindre les 4000 j'aime sur cette vidéo. Donc faites péter les likes. Et si ce n'est toujours pas fait, d'activer la petite cloche pour recevoir une de mes notifications quand je sors une vidéo. Et si tu viens d'activer la petite cloche, mets le mot slime en commentaire. Bref, on va arrêter de parler et on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Donc voilà, ça se présente dans un petit kit comme ça, tout simple. Bon, j'ai déjà testé des autres kits avec des packaging plus jolis, mais bon, celui-là il est quand même assez mignon. Donc on va l'ouvrir pour voir ce qui se cache dedans. Hop. Wouh. Et on va l'ouvrir, comment il s'ouvre, comme ça. Ça s'ouvre pas, et oh. Ouais. Du coup on ouvre, il y a une petite notice. 2017, on est passé en 2018 les gars, faut se réveiller. On a une petite spatule et on a un petit mode d'emploi. Oh j'adore. Donc il y a tout ça dedans. Donc je sais pas si vous allez bien voir comme ça. Oh non. Il manque une cuillère frère. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc on a de quoi dedans. Ah bah elle est là la petite cuillère. On a un petit bécher, on a le borax je pense. Poudre à slime. On a plein de petits colorants. Mais je les trouve trop mignons. J'adore. On a 3 petits pots pour faire du slime. Trop stylé aussi. On a aussi des petites pipettes pour les colorants, je pense. Et on a une petite cuillère comme ça. Bah, allez, on y va. C'est parti. On va essayer de voir ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'ils disent donc là, ils montrent ce qu'il y a, ce qu'on a dedans. Étape 1. Alors, il faut donc mettre 22 petites cuillères dans ça, je pense. Donc, on va ouvrir. Pas ouvrir. Ah si, c'est bon. Non, toujours pas. Ah voilà. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Oh, ça pue. Pue le mort. Du coup, on va mettre 22 petites cuillères. Mais attends, mais il faut mettre dans quoi? Ah non, c'est pas dans ça. C'est dans ça qu'il faut faire. Voilà. Il faut mettre 22 petites cuillères. 22? C'est énorme. 1, 2, 3, 4. A few moments later. 20, 21, 22. Ça fait 22 cuillères. Ça, c'est fait. Donc ensuite, on va passer au colorant. Et il faut venir mettre d'abord de l'eau. Donc 30 ml d'eau. Donc on va venir mettre 30 ml. Hop. Et du coup, là, on va passer à la coloration. Du coup, quelle couleur je vais faire? D'abord, je vais faire rose. Bleu. Non, jaune. On va tester jaune. Je vais pas ouvrir. Oh, mais ça s'ouvre pas. Hein. Ah, voilà. Et donc, pour faire du jaune, on va mettre 40 gouttes. C'est quoi ces quantités énormes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, mais c'est fluo. Bon, hein, je sais pas combien de quantités je vais mettre. On va mettre au pif. Hein. On va mettre une couleur qui me plaît. Parce que je vais pas compter 40 gouttes. Hein. Voilà, comme ça, ça me plaît bien. Et après, on va venir ajouter le liquide à la petite poudre, comme ça. Je me prends pour un chimiste, là.
Et du coup, on va prendre la petite spatule et faut remuer pendant 8 minutes. C'est beaucoup, hein. On remue du coup. Ça me saoule de remuer. Ils ont cru qu'on était une touillette automatique ou quoi, eux? Fatigue le bras. Oh, ça se frappe. Ah, il y a des morceaux. Mais je sens qu'une force magnétique se fait. Ça veut rien dire. A few moments later. Oh. 2 hours later. On remue, on remue, on remue. Mais il y a des grumeaux. Des grumeaux. One eternity later. On y est toujours, hein, à remuer. Hein. On est partout sur les doigts. Voilà. Mais ça ressemble pas à du slime, ça. Hein. Ça fait combien de temps que je remue, là? Ça me dégoûte. Ça me dégoûte un peu, là. Oh, mais j'ai mal au bras. Hein. Ça fait du slime, ça? Oh, putain, je m'en suis foutu sur le pantalon. En attendant que la petite pâte se repose. Ah, Amandine, mais t'es sérieuse, là? Oh non, mais là, t'as tout bougé. Bon, en attendant que le slime se repose un petit peu, je vais laisser se poser de son côté. Je vais venir essayer d'en faire un autre. Donc, il faut ça. Je suis arrivé à en rire. Voilà, et il faut 22 cuillères. Une, deux. One eternity later. 21, bon, j'en ai partout. Et 22. Je vais récupérer ce que j'ai mis sur la table. Putain, ça sent vraiment le poisson, hein, ça pue. Quelle couleur je vais le faire cette fois-ci? J'ai bien envie de le faire violet. Ouais, violet. Alors, 30 centilitres d'eau. Et du coup, on va venir faire un violet. Donc, ils disent 2 gouttes de bleu. Alors, on va bien respecter parce qu'il n'y a pas beaucoup de quantité. Donc, 1 et 2. Et on va mettre le rouge du coup. Du coup, on va mettre cette fois-ci 10 gouttes. Oh, j'adore la couleur. Et du coup, 10 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Pour un chimiste. Ils font pas comme ça les chimistes. Ah, mais c'est pas très violet, hein. C'est bleu. Bon, on va les écouter, on verra. C'est pas grave. Ça fait un petit peu violet. Et du coup, on va venir ajouter ce mélange. Ouh. Ouais, ça fait plus un bleu en fait, je trouve, moi là. Ma petite touillette, elle est là. Et on remue pendant 8 minutes. C'est parti. J'en mets partout. Mais c'est pas du tout violet par contre. Hein. Oh, j'en mets partout, c'est pas vrai ça. Ça fait mal au bras. Hein. Et oui, dis donc, et ça fatigue hein, 8 minutes là. Hein. Ah, mais il y a plein de grumeaux, mais ça me dégoûte. J'ai l'impression que celui-là il se forme un peu plus vite que l'autre. Two hours later. Il est un peu mieux, mais je vais laisser reposer un petit peu aussi. Je vais laisser reposer et une fois là, je vais attendre à peu près allez, 10 minutes et je reviens dans 10 minutes pour voir les résultats du slime. Voilà, là ça fait à peu près 10 minutes que j'attends que mon slime se fasse. Donc, plus ça fait 10 minutes, plus ça fait un peu moins. Donc, on va voir. Oh punaise, il est grave bien. Oh, j'adore. Oh, mais on dirait. Bon, j'ai pris un petit bout, c'est pas grave. Mais j'adore. Regardez-moi ça. Le slime il est trop cool là. En plus avec la petite couleur fluo et tout. C'est magnifique. C'est magnifique. J'adore. Je vais regarder l'autre. Oh, un petit peu. Je vais regarder l'autre, mais non. Du coup je regarde l'œil. Ah, elle est un peu plus liquide. Peut-être parce que ça fait un peu moins longtemps. Ah non, elle est un peu trop collante. Bon, faut la laisser se reposer, mais je vais terminer la vidéo là. Je vous ai montré du coup le résultat avec celle-là. Et franchement, celui-là, il est vraiment bien. Celui-là, il est trop cool. Franchement, ce petit kit de slime est assez facile. Juste ce qui est pénible c'est les 8 minutes. C'est un peu long de remuer pendant 8 minutes. Mais le résultat franchement c'est équivalent à un slime que je peux faire. Franchement c'est cool. Et en plus la couleur fluo, j'adore. Du coup à ce petit kit de slime je lui mets un 9,5 sur 10. La raison pour laquelle je mets pas 10 sur 10, c'est que bah en fait c'est long à faire. Enfin c'est 8 minutes et après il faut attendre un peu parce qu'il est pas tout de suite bien directement. Mais franchement, il est plutôt cool et assez sympa. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un max de j'aime à cette vidéo. Et moi, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye !